Comme bon nombre de jeunes femmes, Luan adore les tatouages. Et comme le dit l'adage, il est très difficile de s'arrêter à un seul tatouage. En février dernier, lors de son passage sur le plateau de l'émission de Mouloud Achour, Click, la chanteuse expliquait avoir, à 24 ans, une trentaine de tatouages. Des motifs qu'elle aborde sur tout son corps. On peut en citer un à l'intérieur de sa bouche ou alors au niveau de l'aine. Qui est assez secret, c'est pas un tatouage qu'on voit tous les jours, et qu'on ne verra jamais je pense. Disait-elle au sujet de ce dessin tatoué également sur le corps de sa sœur. Cette dernière avait choisi le bras contrairement à l'aine. Mercredi 17 novembre, Luan a une nouvelle fois parlé de ses tatouages sur le plateau de Télématin sur France 2. À l'occasion de la promotion de son album Joie de vivre, en couleur, l'animateur télé, qui a été écarté de l'émission Élysée 2022, a été interloqué par un tatouage qui figure sur le buste de Luan. Pardon, mais je suis intrigué par votre tatouage, fait-il savoir avant d'essayer de lire, cette harmonie qu'il y a marquée ? Oui, cette harmonie, répond Luan qui dévoile les raisons pour lesquelles elle a fait inscrire le mot harmonie sur son corps. Je n'avais aucun tatouage qui représentait la musique. Et l'harmonie en musique. C'est le fait de faire plusieurs notes ensemble avec d'autres personnes, donc ça représente le partage de la musique. Et à la fois, je trouvais que c'était un joli message de vie, dit la maman de la petite Esmé. Qui précise avoir désormais bien plus des 30 tatouages auxquels elle faisait référence en février dernier. Et il y a encore de la place pour d'autres. Thank you.